Décidément, j'aime beaucoup Surprise Me sur Pretzel Rocks et j'ai oublié de mettre la cam. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, je ne vais pas tarder à apparaître si tout va bien. J'aime bien, ça fait un peu Megaman la musique là, non? Vite fait. Enfin, un peu thème de Megaman. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On se retrouve pour un stream Age of Empires 4. À quoi reconnaît-on que j'attendais un jeu plus que les autres? Parce que je progresse dans le jeu sans streamer quand je n'ai pas le temps de streamer. Ou pas l'occasion parce que voilà, pour plein de raisons. Et du coup voilà, j'ai un peu avancé dans la campagne, on va continuer là où j'en étais. J'aime vraiment vraiment bien ce jeu, il me hype beaucoup. C'est très chouette parce que quand on attend quelque chose comme le Messi, y a beaucoup de chances d'être déçu finalement. Quand on a beaucoup d'attentes, je ne suis absolument pas déçu. Donc on va continuer la campagne. Est-ce que ça va reprendre ma sauvegarde ou parce que j'avais fait une sauvegarde? Je ne sais pas si ça va reprendre la sauvegarde que j'avais faite ou si ça va reprendre la sauvegarde auto, je ne sais pas. On est du coup au siège de Douvres. On doit défendre Douvres contre les Anglais. Ce que je trouve bizarre au niveau de la couleur, parce qu'on joue les bleus contre les rouges. Rouge étant les Français, bleu étant les Anglais. Ce qui est totalement l'inverse de Age of Empires 2 dans la campagne, où les Anglais sont rouges, que ce soit quand on joue William Wallace, où les Écossais sont bleus, ou quand on joue Jeanne d'Arc, où les Anglais sont rouges et les Français bleus. Mais il y a une campagne Jeanne d'Arc aussi, après la campagne normande dans Age of Empires 4, et je pense, à moins que je me trompe, qu'on va encore jouer les bleus pour les Français, et les Anglais seront, je suppose, rouges, mais voilà, je peux me tromper. Alors, est-ce que c'est la dernière attaque française en une minute? Ouais, c'est ma sauvegarde. Donc voilà, il y avait le groupe un peu ici de Robin des Bois, enfin c'est pas Robin des Bois, comment il s'appelle? Widdekin of the Wild. Il fait quand même vachement penser à Robin des Bois. En tout cas, au Robin des Bois de Russell Crowe. Et on était à 200 de pop, donc on peut plus rien faire à part tuer les gens qui ont pas beaucoup de vie, ce que j'avais commencé à faire. Mais il y a lui à la limite. Allez, lui qui a, désolé, t'as un peu moins de vie, voilà. On le tue, il faut maintenir, delete, voilà. On le tue et comme ça, y a un autre avec plein de vie qui arrive. Et on attend du coup dans 33 secondes, 32 secondes maintenant, l'attaque des Anglais sur les portes de Douvres. Ils vont se faire massacrer, hein, normalement. J'ai développé les machicoulis. Qui s'appelle pas comme ça, je sais plus comment s'appelle la technologie, mais donc pour déverser de la lave sur eux. Est-ce que le son est bon ou est-ce que je mettrais pas un peu plus fort? J'avais baissé un peu tantôt. Audio, ouais, on va mettre à 100. Voilà, on va prendre comme ça. Ce sera un peu mieux pour vous, je crois. Ouais, je vais baisser un peu de mon côté. Voilà. On va remettre la caméra comme ceci. Voilà, pep. Je suis perdu. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Grâce aux anglaises et aux attaques surprises de Widdekin, Douvres tenait encore bon. Voilà, bon. Les Anglais se préparèrent alors à repousser l'assaut final des Français. On va essayer d'envoyer nos chevaliers sur les armes de siège, mais il n'y a pas d'armes de siège. Du coup, on va juste laisser faire nos archers. Ah, il y a des armes de siège là-bas, ok. Nos chevaliers, il faut vite aller... Allez-y les gars, allez on se dépêche. Sur la tour de siège? Ouais la tour de siège, allez, sur la tour de siège. Allez les gars. Allez on se dépêche. Il y a le bélier là-bas aussi. Allez. Ah ils ont déjà réussi à monter, tiens. Allez, la tour de siège j'ai dit. Allez. Voilà. Allez, le mangono ici. Bon, le reste, ça se passe pas trop mal. Ah, là, il y a une tour, c'est bon. Avec le nombre d'archers que j'ai, de toute façon... Allez. Voilà, l'autre mangono. Bon, peut-être... éviter de se faire charcuter nos chevaliers, parce que ça coûte quand même la peau du job.
Allez, le Mangono ici. Le problème avec ce truc, c'est que ça fait des dégâts de zone sur mes nombreux archers, et ça c'est chiant. J'ai encore deux chevaliers ici. Ici c'est tranquille. Bah voilà, c'est bon. Bah, c'était la fin de la mission, hein. Sans surprise, j'ai dû l'arrêter parce que je devais aller bosser. La ténacité des soldats d'Hubert de Beurre. Hubert de Beurre. Et les barons rebelles à lever le siège de Douvres. C'est un nom qui donne faim, je trouve. Hubert de Beurre. Les forts et courageux archers de Willikin, l'Angleterre resta aux mains du roi Jean. Ah, le roi Jean, celui qu'on aime tant. Pour ceux qui ont la référence. Où est-ce qu'il est, celui-là ? Bon, maintenant ils vont danser. Doubler les taxes ! Tripler les taxes ! Oui, c'est ce roi Jean-là. c'est le même. C'est celui qui a inspiré... L'année qui avait précédé la défense de Douvres, l'opposition du roi Jean à la Magna Carta avait provoqué une rébellion en Angleterre connue sous le nom de Première Guerre des Barons. Vous entendez bien ? Dans toute l'Angleterre, des barons rompirent leur allégeance à la couronne et s'emparèrent de villes importantes, notamment Rochester. Voyant que son règne était menacé, Jean envoya ses troupes à Rochester pour reprendre la ville et capturer les traîtres. Ah, ben là, ça va être l'inverse, je crois. On va devoir briser un siège. Enfin, non, on va devoir assiéger une ville. Le château de Rochester était tombé aux mains des rebelles. Le roi Jean devait assiéger ses propres barons. Et nous sommes en 1215. À savoir qu'apparemment, la fin de la campagne normande, c'est en 1217. Donc on est dans, à mon avis, la dernière mission, mais il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Il y aura peut-être d'autres batailles, je sais pas. Alors, ok, bah moi ça sert. Les hommes du roi Jean arrivèrent à la périphérie de Rochester, prêts à reprendre le château et à chasser les barons rebelles qui s'y trouvaient. Mais Rochester était une redoutable forteresse qui protégeait la route de Londres. Et les barons rebelles étaient prêts à donner leur vie pour la défendre. Ok. Avant de pouvoir espérer détruire le donjon château, de Rochester. Les hommes du roi Jean devraient renforcer leur position en s'emparant du village de Chatham. Bon ben, c'est parti pour s'emparer du village de Chatham. Graphiquement, je l'aime vraiment beaucoup. Même s'il est mêlé, c'est un peu le bazar. On a du mal à voir si on est en train de gagner ou de perdre parfois. Mais graphiquement, il est très sympa. Les ok, on a le village. Les royalistes s'emparèrent de Chatham et se préparèrent à mener un siège ardu. Le donjon de Rochester était protégé par d'épais murs de pierre. Ah, on a des prêtres. L'armée du ça, roi cool. Allait avoir besoin d'armes de siège puissantes pour les transpercer. Ça va, avec des trébuchets, ça va aller. Voyons voir. On a 4 à la bouffe, c'est pas assez. Donc, vous deux, vous allez faire des champs. C'est pas la bonne touche. C'est cette touche-là que je cherche. Du coup, j'ai pas besoin de la touche. Où est-ce que ce mouton est rouge ? J'ai pas un... Ah, mon cheval est mort, je crois. Bon, on va faire des villageois. On est à quoi de pop ? On est à 56 sur 90, ça va. Alors, est-ce qu'il peut prendre le mouton ? Ah, il le bute directement. Bon, c'est pas grave, il va le remettre au moulin, c'est bien. Mais c'est bizarre que le mouton restait rouge. Ok, il nous faut de la bouffe, hein, toujours de la bouffe. On a que 6 à la bouffe, 10 au bois, 2 à l'or, 2 à la pierre. Donc on, pour l'instant, on va mettre les gens à la bouffe. Pourquoi est-ce qu'ils ramènent l'or de Perpète les Oies, eux ? Ils viennent d'où ? Ils viennent de là-bas, mais enfin construisez un camp ! Qu'est-ce qui gérait cette ville avant moi ? Non, vous savez quoi ? On va annuler cette construction. Et vous allez plutôt la faire... Ah non, on peut pas la faire là.
Bah là alors. Pas la faire trop en avant parce qu'on va sûrement se faire agresser du coup. Ok, bon, deux alors. Et là, la pierre aussi, c'est. Ils font. Ils traversent. Voilà, ça ira plus vite. Et vous aussi en fait, il n'y a pas de camp de bûcheron, il n'y a pas. Il n'y a rien. Camp de bûcheron, ici, allez les gars. Voilà, bon. Vous aussi, allez, camp de bûcheron. Ça ira mieux. Bon. Vous, à la bouffe, on avait dit. Bah donc 3, tac, pas alt, c'est shift, merci. 1, 2, 3, voilà. Ok, on continue à faire des. Non, les forces du roi Jean furent attaquées par un groupe d'assauts rebelles, sortis du château. Attends, si je fais ça, est-ce que les villageois pop à l'intérieur du truc? Non, ils pop devant, tout va bien. Encore de la bouffe, hein. Donc c'est. Tac, non. Attends. A, tac, ok. Et pourquoi? Non, parce qu'il fait le. Des puces, donc je ne peux pas le faire là. Ok, bon, un petit champ ici, ça ira bien. Ah, on se fait agresser! Réparez votre camp de mineurs, vous. Ok, alors les deux moines au milieu, et on soigne. Ouais, et alors les hommes d'armes devant, les archers derrière, les gars. Un peu de logique, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde est soigné, c'est très bien. Ok, alors, encore de la bouffe. Ouais, encore de la bouffe, hein. Il n'y a plus beaucoup de place, est-ce qu'on referait un moulin quelque part? On referait un moulin genre ici. Ouais. On va faire un moulin là. Ok, on va améliorer nos archers, on n'a pas de camp d'archers, on n'a rien du tout en fait, hein. C'est un peu triste. On va devoir tout bâtir. Avant ça, l'âge impérial, on peut pas. Voilà. Continue à faire des villageois. On a une caserne. On va faire quelques lanciers et quelques hommes d'armes histoire de tenir. Oui, mais une fois que vous avez fini de réparer, les gars, vous continuez à faire de l'or. Voilà. Donc 2, 2, 11, 8. On va faire un autre alors. Ah, on a 4 qui foutent rien, ici, ok. Vous deux, alors. Et encore 2 qui foutent rien ici. Ah bah c'est très bien, c'est les gens qui ont construit le moulin. Vous allez faire... Non, 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 certainement pas. Certainement pas. Ils nous ont fait le plaisir de ne plus faire comme dans le 2, où... autour d'un moulin, on pouvait pas... Enfin, les champs c'était 3 de large, le moulin 2 de large c'était un enfer. Là on peut faire 8 beaux champs autour d'un moulin, c'est beaucoup mieux. J'en connais un, j'ai un de mes amis, je ne citerai pas s'il joue à ce jeu, il sera très satisfait de ce changement. Ouais, ça on s'en fout. Alors, on va faire un camp d'archer. On va le faire là. On va faire une forge. Vraiment pas beaucoup de place. Hein. On a vraiment pas beaucoup de place. On va la faire là, allez, là. Bon. Allez, continuez à couper du bois, vous, parce que... Il nous faudra de la place. Voilà, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça? Condition âge impérial. Ah oui, ici, si, être tronçonné, c'est le... La scie impériale. Ok, alors, les moines, ils soignent, ok. Eux, ils tamponnent, et eux, ils mitraillent, tout va bien. Tout va bien, les gars, c'est comme ça qu'on se bat. Allez, allez les moines, on soigne. Allez, allez. Amen. Allez. Et c'est bien parce que du coup, ceux qui prennent des dégâts, c'est uniquement les hommes d'armes et les piquiers. Et c'est justement ceux que je suis en train de refaire. Donc c'est pas mal. Les unités blessées peuvent être soignées lorsqu'elles sont hors combat. Ah quoi, c'est quand elles sont en combat, elles peuvent pas, ok. Ok, voilà. Quelques hommes d'armes et quelques lanciers vétérans qu'on pourra faire en élite mais à l'âge impérial et on peut pas avoir l'âge impérial lors de cette mission, en tout cas pas pour le moment. On va refaire des fantassins à arclon et des arbalétriers, on est bien comme ça pour l'instant, on va garder pour faire un château, ce serait bien pour se défendre et pour faire des unités de siège, tout ça.
La forge. Ah, bah ça sert à rien la forge en fait, parce qu'on a déjà tout amélioré. GG. Alors, le château, on ne peut pas, parce qu'il faut 1000 de pierre. Ah bah c'est très bien. À la pierre. Et les nouveaux villageois, ils iront à la pierre aussi. Ok. À la pierre, à la pierre, à la pierre. Lieu sacré. Lieu sacré, ça à quoi ça? On met un moine dessus? Ouais. On met un moine dessus. Je sais pas ce que ça va faire, mais. On va découvrir. Bon. Les ressources s'amassent. Donc autant faire des troupes. Hein. Autant faire des troupes. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va faire des maisons. Des maisons. Hop. Ma. Comment on appelle ça? Ma logopède de ma tendre enfance serait fière de moi. Un des trucs que je disais mal, c'était maison. Je disais maison, pas maison. Ma vie a changé depuis que je dis maison. Non, mais non! C'était la place pour un champ. Pas grave, sur la place d'une maison. Non. Continue à prendre la pierre. On a 1000 de pierre, super. Le prochain villageois, il viendra ici. Et toi, tu fais rien, c'est très bien. Tu vas faire un château. Un donjon en bâtiment défensif, on va le faire là. Ça me paraît bien. Voilà. Et tu vas construire le donjon. Détruisez le donjon de Rochester. Donc on va détruire celui-ci. Avec des trébuchets, ça me paraît très très bien. Je pense qu'on va faire ça. La bonne vieille manière des trébuchets. Quand même, si les fortifications du 4 sont impressionnantes avec les tours qu'on peut améliorer, on peut mettre des balistes dedans et on peut mettre des hommes sur les murs qui voient plus loin. Avec le bonus du donjon, ils peuvent tirer plus vite. Enfin, c'est vraiment des belles grosses défenses. Malgré ça, le trébuchet, avec sa portée, bah, il est un peu zut à toutes les défenses et. T'as pas une armée plus forte que la mienne, moi je me mets trébuchet, je mets mon armée autour, je pète tes défenses et si tu veux m'arrêter, il faut que tu sortes ton armée de tes défenses. Après, c'est plus compliqué que ça, ça c'est la théorie dans les faits. Ah voilà, on a un lieu sacré, à quoi ça sert, je ne sais pas. Il me semble que dans une partie normale, quand on a X lieu sacré... Quoi, le moine a disparu, il a pris le lieu sacré, il a disparu. Pour prendre le lieu sacré, il s'est sacrifié. Où est mon moine? Oh, on gagne de l'or avec le lieu sacré, c'est bien ça. Mais où est mon moine? Il est rentré dans le lieu sacré. Ah, il est là? Oui, il est là. Il était derrière le panneau. Ok. Voilà, avec le donjon, pour la défense, ça va aller smooth à partir de là. On va ça au moins stagasser. Et on va faire de nouvelles unités ici. Tac, 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 voilà. Fantastique. Et vous allez faire un petit moulin ici pour vous occuper des bestioles, là. C'est quoi d'ailleurs comme bestiole? Serre à chasser. Pauvre bestiole, elle s'appelle à chasser, quoi. Et ici, on peut faire des trébuchets, non? Ah, il faut l'âge impérial pour le trébuchet. Ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. On ne peut pas avoir de trébuchet. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir, du coup? Des mangonouf. Ou alors des béliers. On va faire des béliers et des tours de siège. Hein. On va faire des béliers et tours de siège. Mais là, oh, ça va être chaud hein, d'attaquer ça en plein... On peut pas... Voilà, ici, ça a l'air mieux. On peut essayer d'attaquer ici, parce qu'il n'y a pas de tour. Ah, il y a une deuxième... Ah non, le mieux ce serait d'aller attaquer ici, comme ça on n'a qu'un seul truc de mur à passer. Donc on va essayer d'attaquer ici, même s'il y a des tours. Mais ça va, ça... Quoi? Qu'est-ce que quoi? Bon, les villageois. Cherchez un abri. Et qu'est-ce que vous foutez? Vous revenez? Ils viennent d'où? Ils viennent de là? Je sais pas. Y a pas la cloche, maintenant à la place, il faut demander aux villageois de chercher un abri. Ça marche aussi, hein, mais... Allez, les gars, on se dépêche. Mais cherche un abri aussi, toi. Oh, abruti. J'ai pas du tout vu d'où venait l'attaque. Je vais envoyer des hommes par là, après. Ok, super. Ah,
Ok, on va aller par là. Vous, vous retournez au travail. On va refaire des villageois, je suppose qu'on en a perdu quelques-uns. Ah, il n'y a plus d'or ici. Oh, c'était de la pierre. C'était de la pierre, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez dans les champs, parce qu'il y a eu des désertions là. Comment est-ce que j'ai pas vu ça, moi? Bon, on va faire des murs, comme ça on sera tranquille. Bon, mais vous, chassez. Oh, un lieu sacré, c'est bien! Avec notre moine, on va pouvoir le prendre. On a tué des loups. Je crois qu'on va construire un petit poste avancé ou un truc... C'est pas des murs, mais un truc de quoi ne pas se laisser surprendre, quoi. On va voir. Toi, super. Poste avancé. Ouais, ici. Hein. C'est bien. On a le lieu sacré, ok. On a notre armée qui est là. On a le donjon. Springale. Mangono. Après, le mangono, c'est pas mal. Hein. Ça coûte super cher. Mais c'est quand même pas mal pour éliminer des troupes. Oula, ils sont là. Ils sont là. Cherchez un abri, vous. Vous aussi, un abri. Okay. Ok, nickel. Voilà. On va se développer tranquillement. Retourne au travail. Super. Nickel. Vous, c'était de l'or qui était là, non? Je crois que c'était de l'or. Non, je sais plus ce qui c'était. Il n'y a plus d'or. Il n'y a plus d'or, c'est embêtant. Allez, c'est dans les champs là, puis on verra. Bon, est-ce qu'on peut construire des béliers et des tours de siège? Je pense bien. Cela dit, je vais perdre beaucoup d'hommes à aller sur les tours de sur le siège. Je pense qu'il faut que je regarde le meilleur endroit pour attaquer et que je fonce. Et je pense que le meilleur endroit pour attaquer, c'est là parce qu'il n'y a qu'un seul truc de mur à péter avant d'être au château. Donc on va essayer d'aller là-bas. Donc, je vais prendre mon armée. Et je vais essayer de voir comment faire pour aller ici. On va voir par où ils vont passer. En attendant, on va faire d'autres troupes. Donc on va refaire... C'est quoi ça? Résoudre ça d'aller... Ouais. Ça augmente le bonus de vitesse d'attaque autour du château. Blindé, c'est pas mal ça. Augmente l'armure à distance et au corps à corps des hommes d'armes de 3. Est-ce que, quoi, on m'attaque dans le puits de la forêt. Bande de... Ok, je pourrais aller par là. Bon, les villageois, cherchez un abri. Les moines, dégagez de la meute parce que vous ralentissez tout le bazar. Et les autres, dépêchez-vous là. Dépêchez-vous. Cherchez un abri, j'ai dit. Hein, là là. Au secours. J'ai perdu quasiment tous mes villageois. Et mon forum est bien amoché. Il est vraiment bien amoché. Alors on se dépêche d'aller attaquer le... Voilà, ils sont tous paqués, il y a un mangono là. Allez, on avance. Alors les villageois, on retourne au boulot. Et vous allez réparer ça, ouais, allez-y. Hein. Ok. Bon, maintenant les hommes, vous allez par là, voir s'il n'y a pas des embêtants encore.
On est sur une mission de fin de campagne, c'est normal qu'on n'ait pas la paix. On va refaire des villageois, évidemment. Dans John Power 2, les forêts étaient infranchissables Punta de Lane. Là, c'est un peu plus compliqué. Vous rencontrez face à face, de l'or. Ça fait rudement plaisir. Salut Jidan. Ah oui, rudement plaisir. Ça c'est bien, et il y a de l'or dans la forêt aussi. Ça c'est bien, 8000 d'or, ça c'est génial, on va aller prendre cet or. On va aller prendre aussi ceci. C'est quoi ça, une relique, ça peut être bien ça. On va rester là et on va demander à notre moine ici de prendre la relique. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais... Bon, alors les villageois, vous deux, vous allez aller ici, faire un camp de mineurs, bien sûr, voilà. Et les autres, au champ. Alors, toi, ah tiens, hop, tu vas prendre ceci, voilà, c'est bien. Et tu vas faire un poste avancé, ici, histoire de voir si on est tranquille. L'armée, elle va revenir du côté du château. On va faire des hommes d'armes parce qu'on a fait... Ah, on n'a pas fait finalement blindé. Attendez, on va développer blindé. Et on va faire des hommes d'armes. Je pense que des hommes d'armes blindés, ça pourrait être pas mal pour aller à l'assaut d'une forteresse qui va nous balancer des flèches dans tous les sens. Ok, il a... Ouh là là, il avance pas. Déposer la relique. Ok. Gaz automatique. Attends. Ah, quand il a la relique, il peut pas guérir ça. Il dépose la relique, ok. Là, il est en guérison automatique. Qu'est-ce que ça m'apporte de prendre la relique? Si je la ramène, ça rapporte des sous? Que je dois la ramener à un lieu sacré? On va voir. Peut-être à une église, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je découvre, je ne sais pas encore à quoi servent les reliques. Les lieux sacrés apparemment ça apporte de l'or. Et quand on contrôle tous les lieux sacrés d'une map, je sais qu'on peut gagner, mais là c'est pas le cas parce qu'on est en campagne. Blindé terminé, ok, vous tous, voyons voir, j'ai 6 à la bouffe, 1 au bois, j'ai plus qu'un au bois, donc vous allez prendre le bois. Vous allez prendre le bois ici. On va prendre un camp de bûcheron, là, voilà. Je vais prendre du bois là. Voilà. Alors, vous qui faites rien là, dans les champs. Ok, 9 à la bouffe, 7 au bois, 7 à l'or, pardon. Le bois, ils y vont y aller. Et j'ai plus personne à la pierre, mais j'ai pas de carrière dans le coin. On va refaire des hommes d'armes en masse. Donc, je disais ici, c'est très bien. Et ici, on va faire des fantassins à Arclon, parce que c'est quand même la base. Et il y a quand même quelques cavaliers, on va faire des lanciers vétérans. Voilà, voilà, voilà. Alors, toi, tu vas prendre l'or aussi. On va continuer à faire des villageois. On devrait jamais arrêter de faire des villageois. Ok. Et double, non, ça ne me met pas au forum, ce n'est pas grave. Ok. Le lieu sacré. Il est là avec la relique. Ok, on se fait attaquer, mais ce n'est pas grave. Notre armée est là, on peut même battre en retraite pour aller sous le château. Comme ça, ils se font avoir par le château. On va laisser les barrer. Toi, avec ta relique là... Je sais pas du tout ce qu'il doit faire avec ça. Écoutez, vous savez quoi? Je vais faire pause. Voilà. Et je vais aller voir ce qu'il doit faire avec sa relique, parce que ça m'ennuie de pas savoir. Relique Age of Empire 4. Comment ça marche? Oh, Relic Work in Age of Empires 4. C'est en anglais, mais on va se débrouiller. Je consens.
Les reliques sont des artefacts religieux que vous pouvez trouver dans Vampire 4. They're accommodating if you capture them. Donc, t'accommodes si tu les captures. They work similarly to sacred site where, after you capture them, you'll be able to generate gold by having them aligned to your site passively. But how can you capture reliques and why do... Okay. Ok, donc on peut les capturer et ça apporte de l'or comme les sites sacrés. Comment on les capture et où est-ce qu'on les met une fois qu'on les a, c'est ça que je veux savoir. Une relique ressemble à un petit objet, mais ça je sais à quoi ça ressemble, avec un petit drapeau jaune, ok. Vous pouvez trouver ça n'importe où sur la map, ok. Malheureusement, vous ne pouvez pas la prendre avec un villageois ou une unité militaire, je sais, avec un moine, ok. Donc il nous explique simplement à quoi ça ressemble et qu'il faut un moine pour les capturer, ça on savait déjà. Vous pouvez créer des oui au monastère, bring them back to your side, you want to place them inside the monastery. Ok, donc il faut que je construise un monastère. Quand la relique est placée dans un monastère, ça génère du gold, de l'or, mais but if one is inside a keep, qu'est-ce que a keep? Attends, keep c'est quoi ça, un keep? Keep c'est garder, mais bon, je sais pas. Traduction. Anglais, français. Keep garder, bah oui, ça je savais. Inside a keep. À l'intérieur d'un donjon, ok. Quand c'est dans un donjon, il gagne plus 50% d'armure. You have to pick the better choice based on your playing aggressively. Ok, donc, on reprend. Ce truc-là, on peut le mettre dans un monastère pour gagner de l'or ou dans un donjon pour augmenter sa défense. On va le mettre dans un monastère pour avoir plus d'or. Parce qu'on est greedy. On fait un petit monastère, là, ici, derrière chez nous. Ça va être très bien. On a beaucoup de villageois là-bas, on en a plein qui foutent rien là. Ok, un monastère, c'est là. Un monastère. Voilà. Un joli petit monastère, on mettra une relique dedans. C'est très bien. On va continuer à faire des hommes d'armes. Et des archers et des arbalétriers. Ok. On a un villageois qui dort au champ. On continue à faire des villageois, c'est très bien. On est à 170. Comment... C'est bien, ça devient orange au bout d'un moment. Ça me porte l'attention dessus. Ah, ok. Toi, tu mets là-dedans. Ok. Vous allez faire des maisons pour pas qu'on se fasse surprendre par la pop. Une maison ici. On s'en fout au milieu du chemin. Allez, une maison là. Voilà, on sera tranquille avec ça. Voilà. Prendre la dernière, comme ça on est sûr qu'elles seront toutes construites. Toi, carrefour. Et tout devient sombre quand je sors de l'ombre. Et l'on me craint plus que la vieille tour de Londres. On avait marre d'être le seul à l'avoir en tête. Saligo. Rattigan. Bon, les maisons, hein, c'est bon. La relique, c'est fait, donc elle va générer de l'or. Donc je suppose qu'on va avoir un petit plus qui va apparaître ici, non? Non? Non, on va pas avoir un petit... Ah, plus 16, ok. Le moine, il va là. Soigner tout ça. Ouais, bah, il va soigner les gens, oui. Pourquoi il soigne pas les gens? Soigne les gens, c'est ton boulot. T'as raison d'être. On va refaire un moine en plus, d'ailleurs. Voilà. Un moine en plus. Ça coûte quoi un moine? 200 d'or. Deux fois plus que ceux d'Ajon Payeur 2. C'est marrant parce que quand je réfléchis pas, je dis naturellement Ajon Payeur. J'ai dit Ajon Payeur? Ah non, peut-être que je dis naturellement Ajon Payeur. Alors, ça a pris longtemps pour me corriger parce que j'ai très très longtemps dit Age of Empire. Ok, au champ.
Auchan. On est à 200 de pop, super. Donc le bois. Et voilà. Fois Auchan. Fois Auchan là-bas. Fois Auchan là. Fois. Il y a un moulin là. Allez. La bestiole là-bas. Fois alors là. Quoi alors là, quoi, j'ai envie de dire, on va faire un nouveau champ ici. Voilà, tous les villageois sont occupés. Et maintenant, il va falloir commencer tout doucement à penser à attaquer la forteresse. Mais il faudrait pas faire une attaque qui nous fasse perdre tous nos hommes. Et ensuite, qu'on prenne une attaque, une contre-attaque. Voilà, super. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a des gens blessés là? Où sont mes moines? Ils sont là. Allez les gars, on soigne. Hein. On soigne, s'il vous plaît. Archer, balétrier. Ah bon, en fait, on peut faire ici, hein, archer, balétrier. Et ici, bien sûr, des hommes d'armes. Ah, tu que quoi? Ah merde, il a tué tous mes villageois, saligo! Il y a un moine qui est arrivé ici. Et bon. Vous! Ici. Et ça ne tire pas s'il n'y a pas des villageois dedans. En fait, les forêts, on s'en fout, on peut les traverser. Faut pas que je vois ça comme des murs. Et alors les moines ne convertissent plus, mais il me semble que j'avais vu qu'ils pouvaient faire des conversions de masse, mais je sais pas comment ça marche. Ok, vous allez rester dans la forêt, et on va demander à des nouveaux villageois de venir ici prendre l'or. Voilà. Et on continue à faire des hommes d'armes là. Ici, ça c'est bien. Là, on va faire quelques... cavaliers vétérans et des villageois qui ne coûtent rien à plus. On va dire vous allez construire une nouvelle caserne et une nouvelle écurie pour avoir plus de moyens de faire des hommes rapidement. Et vous allez faire encore une écurie et une autre caserne. Tiens, voilà. Voilà, dépêchez-vous, c'est parti. Allez, alors toi. Ok, l'or ça continue ici. Vous gardez un peu la forêt. On va quand même explorer un petit peu, voir s'il n'y a pas. Ah, mais il y a quand même des forêts impénétrables et des forêts qu'on peut traverser. Hein. Pas facile de voir la différence. C'est quand même curieux de voir s'il y a une route qui mène ici. Je crois que c'est le meilleur endroit pour attaquer le château toujours, mais... Ah, il y a un site sacré, tiens. On va aller leur piquer leur site sacré. Oh, c'est bien, je vais amener un moine. Alors, un moine. Alors, voilà un moine. Non, pas trois moines, j'ai juste besoin d'un seul moine. Viens ici, on va prendre le site sacré. Ah bah on est déjà en train de le capturer. On peut pas le capturer. Les fermes qui ravitaillaient les rebelles à Rochester. Si les rebelles perdaient l'accès aux vivres, certains d'entre eux seraient contraints de fuir. Ah mais oui. Ils avaient l'occasion d'affaiblir la rébellion en neutralisant le ravitaillement du château. On va faire un siège, un bon petit siège. Voilà, on va aller les priver de nourriture.
Voilà. En fait, il faut explorer la carte. Faut pas se concentrer sur l'objectif, faut explorer la carte et voir... on peut arrêter les marchands et brûler les moulins. Bon, on va déjà aller prendre le site sacré. Et on va attendre les renforts avant d'aller plus loin. Et on va se faciliter l'attaque du... Ah, il y a des hommes là. Bon, on va aller d'abord là-bas. On a assez d'hommes là pour défendre avec le château en prime. On va faire quelques lanciers, je crois qu'il y a des dadas. Ah super, vous avez fini, vous allez aller à l'or. Et F2 c'est ça? Non, F1, ok. Ici, voilà, on va faire ça, on va faire tac 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 tac. On va faire tac tac tac. Tac tac, voilà. Et ici, voilà, bon. Vous, là, le lieu saint. Ah, il est capturé pas par un moine en fait, il est capturé par des hommes simplement. Ok, c'est bon à savoir. Et vous, vous capturez le lieu saint et après... Ok, on va aller au moulin. On va brûler toutes les terres autour du château. Et puis ça va être un jeu d'enfant. Il y a des cavaliers quand même, c'est bien d'avoir des lanciers, je crois que j'en ai pas beaucoup. J'ai fait beaucoup d'hommes d'armes parce que c'est plus costaud. Mais les lanciers ont des gros bonus d'attaque sur les cavaliers. Voilà, moi je pense que on va faire des lanciers. Des lanciers. Le moine qui est tout seul là. Après on se dit que pour combattre sur les murailles, les lanciers c'est pas top. On préfère avoir des hommes d'armes qui ont de la défense pour les flèches. Et qui parce que sur les remparts tu vas jamais combattre des chevaux. Or les lanciers c'est bien pour combattre des chevaux. Alors bon, on se dit que sur les murailles c'est pas le choix. Voilà. Ça, ça va leur faire mal. Maintenant que les fermes étaient en feu, l'étau des royalistes se resserrait sur les rebelles. Mais oui. Les rebelles qui ont capitulé quittent le combat. Le commandant des rebelles congédia ses combattants les plus faibles, afin de ménager le peu de nourriture qui restait. Craignant une nouvelle fronde contre son autorité, le roi Jean ordonna de laisser passer les rebelles vaincus de Rochester. C'est très magnanime de sa part. Les hommes du roi Jean découvrirent que le château était ravitaillé par un flot de marchands. Ah, c'est ici. Ok, on va y aller. Hein. On a un moine avec nous. On va d'abord aller là. Et ici, avec notre nouvelle troupe, on va aller... on va aller péter les marchands, là. Eh, il y a un site sacré ici. On va aller au site sacré. Et on va aller péter les marchands. Ok. Lancier. Bon, attends, on va faire F1. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des archers et des arbalétriers, c'est sûr. Quelques hommes d'armes, quelques lanciers. En fait, il faut un peu de tout. Hein. J'ai pas envie de faire chevalier parce que ça coûte vraiment trop cher. Même si c'est bien. Allez, je fais quand même quelques chevaliers. Ils sont quand même costauds. On perd le site sacré? Comment ça? Non, n'est possible. Je vais récupérer. Et ici, on va aller péter le marchand. Et prendre le site sacré à côté en même temps. Et normalement, avec les marchands, du coup, on va encore avoir moins de défense dans le fort, ce qui est pas mal. Les hommes du roi Jean se rendirent au monastère de Sainte-Marguerite. Les moines refusaient de prendre parti. Mais ils offraient des soins médicaux aux soldats blessés. Le marché local était également ouvert au commerce avec Chatham. Voilà, ici on reprend notre site sacré. Non, si on peut gagner en maîtrisant juste les sites sacrés. M'étonnerait, hein. Je crois qu'il faut vraiment détruire le donjon. Bien, les moines soignent notre armée. Oh, très bien. Mais non,
Moi, je voulais juste prendre les blessés. Voilà, elle va être plus près des moines. Alors, les marchands, ils vont arriver. On va leur péter la tête. Devant les moines, hein. Bon. Au niveau du stream, ça va, y a pas de lag. Tout est fluide. Ah, j'ai 3 alertes. Attention. Je vais faire... Ah, ça pue, ça. 3 alertes, ça pue. Qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a ignoré. Il y a 11 minutes. On a ignoré 26% des images. Paramètres. Graphisme. Échelle de la résolution du jeu. On a tout en élevé, évidemment, mais... 60 images par seconde, bah ouais. On va mettre à 30 images par seconde, vraiment. Et on va voir. On va voir le stream lui-même est en 50 images par seconde. Tout va bien, dit Jidan. Ben, on va dire que tout va bien alors. Eh, n'empêche, le nombre d'hommes d'armes qu'on n'a pas dû combattre, ils étaient nombreux quand même. Hein. On a repris le site sacré là, c'est super. Et il y a un site sacré en plein milieu des bois. C'est cool ça. Alors, on va tuer le marchand. Voilà. Et avec vous, on va aller prendre le site sacré qui est au milieu des bois, là. Et ouais, ils escortent les marchands, mais c'est pas grave. On va prendre les... Spearmen. Les hommes lances, quoi. Spearmen. On va prendre les hommes lances, parce que j'ai vu que le marchand était escorté de beaucoup de chevaux. Eh, c'est un coffre d'or, ça. J'aime les coffres d'or. Oula, non, 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 reviens. Oh, le pauvre. Bon. Avec les Spearmen, normalement, les chevaux vont pas faire grand. Et le petit archer dans la forêt. Donc oui, ça c'est Jidan, ça. Ça c'est Jidan qui a pris, voilà. Là, il est intouchable, il fait ses petits dégâts, tranquillou. On va aller prendre le coffre d'or. Ah, mais en fait, c'est les marchands qui déposent de l'or quand on les bute. C'est cool, ça. En piquant les marchands, on peut récupérer des ressources. C'est chouette. Vas-y, l'archer. Ok, vous allez prendre le lieu sacré, là, ici, bien sûr. Et prendre de l'or. C'est bien, on commence à être bien sur la map, là. Oui, il y a une attention ici. Oui, il y a un... Pas. Bon, par contre, hop là, plan bûcheron ici, ça attend. Ah, il y a un chien, non, un loup. Un loup qui nous attaque, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Bah, tuez le loup, hein. Ne serait-ce que pour plus que j'ai le point rouge sur la map. Voilà, parfait. Allez, et on fait le camp de bûcheron là. Allez les aider. Bon, on peut pas prendre le site sacré. Ah, voilà, on commence à le prendre. Toujours des cavaliers contre des Spearmen. Là, on commence à avoir une belle armée. On va continuer à faire des Spearmen, des hommes d'armes, des cavaliers, des chevaliers. On peut pas avoir des... Pourquoi quand je prends tout, j'ai pas le droit aux archers? Je comprends pas encore très bien ce raccourci, comment il fonctionne. En tout cas, on a tous les sites sacrés. En tout cas, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça. On a 5 sites sacrés, c'est quand même pas mal au niveau de l'or. On dégueule de l'or. Donc, en fait, je pense qu'on pourrait faire des chevaliers. En fait. C'est vrai que ça coûte cher, mais vu le site sacré qu'on a, plus la relique et tout, et le fait qu'on bute les marchands, où est-ce que je peux pas prendre ça? Attendez. Hop, d'accord, vas-y, allez, prends-le. Voilà, 400 d'or, allez. Non, recule, 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 t'es un peu tout seul, là. De moins en moins nombreux, mais Spearmen, là.
Ouais, ok. Voilà. Tac, venez ici. Vous. C'est que ce qui est drôle avec le marchand, c'est qu'il perd tout son, il perd son escorte, il y va quand même. Hein, il a la foi, c'est pas grave, ils sont tous morts, mais moi, je vais y arriver. Hop là, Sandor. Arrêtez les marchands. 4 sur 6. Ah, il y en a encore 2 arrêtés, ok. Du coup, ça sert à rien que j'attaque pour l'instant, je vais attendre de péter les deux autres marchands. Et puis, ce sera bon. Donc, c'est bien que j'ai ramené des Spearmen. Ils sont où? Ils sont là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on va aller les soigner, là. Voilà, on va buter les marchands et puis on pensera aller attaquer le château. Dommage qu'on n'ait pas de trébuchet, ce serait tellement plus simple, mais avec quelques béliers, ça va bien se passer. On irait par là. Non, en fait, il faut vraiment pas qu'on aille par la porte là parce qu'on va se faire massacrer. On va y aller par là où j'avais dit, par là. Par contre, les Spearmen devant. Hein. Devant, les gars. Servez à ça. J'ai quand même l'impression qu'ils soignent même quand les hommes sont au combat. Hein. Ou alors ils soignent exclusivement ceux qui sont pas en train de se battre. Allez, le marchand. Merci, au revoir. Spider-Man. Ok, plus qu'un seul marchand à buter et puis d'autres gens vont déserter du donjon de Rochester et on va pouvoir... J'ai l'impression que le dernier est peut-être mieux protégé, on va amener ceux-là. On a 200 sur 200 de pop, hein, ça qui est chiant. Il faudrait qu'on fasse plus de bâtiments de prod, histoire quand on perd des hommes d'en récupérer autant qu'on en perd. Arsenal, contient la technologie pour améliorer les unités à distance et les engins de siège. Ça va être pas mal. Allez, on va faire une caserne. On va faire un camp de tir à l'arc. Ici. Mais vous allez quand même faire la caserne. On va faire une écurie. Encore une caserne. Voilà. Pas mal ça déjà. Encore un camp de tir à l'arc. Voilà. Et vous, encore une caserne ici. Allez. Je crois qu'on est quand même déjà pas mal. Alors on va faire une écurie et là on sera bon. Là on sera très très bon. Alors le dernier marchand, il arrive? Il est où? Il est là. Ah, c'est facultatif et je crois qu'il est arrivé lui en fait. On l'aura pas hein, du coup. Peut-être, vous croyez? Ou alors il faut attendre qu'il revienne? Oui, je vois que j'ai eu un message tantôt, un marchand est arrivé à Rochester. Du coup, c'est trop tard pour celui-là. Ah, à moins que... Non, il est tourné parce qu'il y avait un mec... On va voir, on a quand même une belle grosse armée. On va la rassembler. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, on a attaqué là, sérieusement. Bon, allez, hop. Ouais, après des chevaux c'est pas pas le mieux contre les Spearmen mais c'est plus rapide. Alors vous allez finir le chantier là et vous allez prendre les moutons qui sont là. Ok, bon, est-ce qu'il n'y a pas une touche pour prendre toutes nos troupes? Je crois que c'est... Contrôle, point virgule, non? Je crois que c'est le cas. Je crois que là, on a toutes les troupes, ouais. On a toutes nos troupes partout sur la map, super. Et on va toutes les amener ici. Voilà. On va tous les amener là. À savoir qu'on a combien de villageois? 15 plus 10, 25 plus 6... Ah mais c'est pas tous nos villageois là, c'est... Ah mais si, avec celui-là, c'est tous nos villageois. Économie 33. On va voir, 15 plus 10, 25. Qu'est-ce que quoi? Ah merde! Ils sont là eux. Forcément qu'ils se font tirer dessus.
Non, c'est un peu con ça, là, c'est un peu trop tard. Bon bah, tant pis. Je disais donc, économie 33, 15 plus 10, 25 plus 6, ouais, on a 33 effectivement, on a 33 villageois. Eh, hey, il y a une partie qui va arriver, hein. Il y a une partie qui va y arriver. Bon, maintenant, tous nos bâtiments de prod. Ici, tac. Vous allez faire un peu de tout, donc des chevaliers, parce qu'on a de l'or, on a plein d'or. Plein de chevaliers. Donc les écuries aussi, plein de chevaliers. Quand tire à l'arc, tac, 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 tac. Et les casernes, des hommes d'armes et quelques lanciers. Voilà. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des trucs... Ah, limite de pop, donc on peut pas faire des béliers, c'est dommage. Sans les béliers, on va pas y arriver. Ouais, on n'a pas le choix. On fait quoi? On bute des villageois? Et si je bute le villageois et que juste après... Attendez. Je bute le villageois juste après, il y a mes fils de production qui vont... ouais, ça ne va pas aller. Donc, ce que je vais faire... Je vais sélectionner mes fils de production, les arrêter. J'avais beaucoup de trucs en prod. Voilà, j'arrête tout. Maintenant, je sélectionne mes villageois. Je les supprime. Voilà, je suis à 199. Je vais encore en supprimer d'autres. Bon, ça, hop, ça peut arriver là. Je vais supprimer toi. Toi, bah, tout cela, allez. Voilà, bon, on a un peu de marge. On va attaquer sur le côté là-bas, mais il y a plein de tours. Hein. Plein de tours partout. Ah oui, ici, on peut attaquer ici. Juste là. Faites ce truc-là. Là, il y a une porte. On va essayer d'attaquer par là. Ouais. Donc, vous tous. Hop là, vous allez aller là. Ça va bien se passer. Petite armée. Bon, maintenant qu'on est là. Bélier. Bélier. Ah, un bélier, ça prend plusieurs de pop. C'est quoi ce truc? Pourquoi je peux en faire que deux? Je prends 6 de pop un bélier. Je prends 6 de pop, hein, il faut que je tue encore un villageois. Désolé. Ce sera toi. Et un autre bélier. 3 béliers sera suffisant, je crois, j'espère. Bon. Maintenant. Toi tu vas sur la tour là. Toi tu vas sur la tour là. Et toi tu vas au milieu là. Allez. Allez, on y va les gars. Allez. Allez, on ouvre des brèches pour aller au château là. Non, allez dans le bélier, allez dans le bélier. Bon, maintenant que les béliers sont faits, on va pouvoir prendre toute notre production d'hommes et amener nos hommes ici. Et donc il nous faut des chevaliers parce qu'on a plein d'or. Toujours des chevaliers. Et alors, tac 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 tac, c'est AZ en fait. AZ 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 AZ. Et ici, chevalier et chevalier. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner, hein. On a pété une tour là bientôt. Superbe. Toi tu vas péter ça aussi. Bientôt notre tour. Bon, la brèche est bientôt faite. Super, la brèche est faite. Donc on va faire bêtement ça. Et hop, directement sur le château. Pourquoi est-ce qu'ils font le tour ces cons là? Bon bah péter le mur là alors. Sans aucun espoir de réapprovisionnement.
D'autres rebelles furent contraints d'abandonner le combat. Ah, des rebelles qui capitulent maintenant. Ok. Ah, on peut monter sur les murs depuis la brèche. Quelle boucherie. Quelle boucherie. Bon, dépêchez-vous d'ouvrir un peu plus là pour aller jusqu'au château. Ah là, super. Et vous trois, au château. Et notre riprod. Ok, avec beaucoup de chevaliers. Et le reste... La riprod, on y va. On est à 150 sur 200, donc la riprod n'est pas assez forte. Ah, un bélier qui arrive presque à destination. Ok, on va faire un autre bélier. Allez, les chevaliers, là, on y va, on rentre dans l'art. Et tac. Bon, pas de moine, ça sert à rien. Ok, la riprod est pas mal. Le bélier sur le château. Ok, ici. Le bélier sur le château. Et sur les archers. Et le bélier sur le château. Allez, vous allez faire un bélier ici, tiens. Alors, les chevaliers dans la mêlée. Vous, un autre bélier. Alors, le château, il en est où? Il commence à être un peu amoché. Les chevaliers sur les archers. Les autres archers ici. Alors, les autres archers sur les murs ici. Le bélier au château. Ouais, ils vont perdre. Alors, hop là, le bélier au château. Et les autres au milieu, bah surtout pour occuper les flèches. Hein. Heureusement que les béliers résistent bien aux flèches. Hein. J'aime beaucoup le fait de pouvoir construire des béliers sur place, je trouve ça super chouette. Ok, les chevaliers sur les archers. Ah bah voilà. Voilà, c'était rondement mené. Ah, des bons joueurs feraient des grands yeux, mais... Rochester tomba aux mains de l'armée royale, lui assurant le contrôle du château et de la route de Londres. Alors que la lutte pour le contrôle de l'Angleterre faisait rage, le roi Jean, désespéré, s'accrochait au trône. Bam parabara, bam parabara, bam. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il y a encore des missions normandes? Je me demande comment ils vont scénariser la guerre contre Covid-19. Après un long siège, les rebelles finirent par se rendre. Lorsque les troupes fidèles au roi Jean ébranlèrent le château de Rochester, le glas sonna pour les rebelles qui s'y trouvaient. Ils se rendirent au bout de quelques jours. Hé hey, il a le droit de trébucher, lui. Leur allié, le prince Louis de France, avait envoyé une troupe d'invasion afin de les aider à renverser le roi Jean. À la fin de l'année 1216, le roi attrapa la dysenterie et mourut. Je ne savais pas qu'il était mort de dysenterie. Son fils de 9 ans fut couronné et devint le roi Henri III. La protection de la couronne revint alors au régent du jeune roi, le chevalier légendaire de 70 Guillaume ans, le maréchal. Guillaume le maréchal. Les stagiaires se sont fait plaisir sur les effets spéciaux. Le défi était pratiquement impossible à relever. L'Angleterre s'effondrait. Les rebelles s'emparaient des villes les unes après les autres. Ah, je trouve les cinématiques vraiment classe, vraiment chouette. Guillaume le maréchal guettait le moment propice pour écraser les rebelles. En mai 1217, l'occasion qu'il attendait se présenta enfin.
Guillaume découvrit que les rebelles prévoyaient d'assiéger simultanément les châteaux de Douvres et de Lincoln. Face aux troupes rebelles dispersées et affaiblies, Guillaume le maréchal marcha sur Lincoln avec son armée. D'un côté de la ville, le château était toujours aux mains des royalistes, placé sous le commandement de la redoutable dame Nicole de la Haye-du-Puy. Nicole de la Haye-du-Puy. Les rues de la ville étaient contrôlées par les rebelles. Le 20 mai 1217, les renforts royalistes dirigés par Guillaume le maréchal arrivèrent pour reprendre la ville des mains des rebelles. L'avenir de l'Angleterre. J'aime beaucoup les prises de vue réelles où ils ont rajouté des trucs par-dessus, je trouve ça assez cool. C'est vraiment, vraiment chouette. 1217, c'est la dernière date de la ligne du temps de la campagne normande, je pense que... Ouais, c'est la dernière mission. Hein. Mais il y a quand même eu pas mal de missions. Hein. La campagne normande était très sympa. Là, ici, c'est la fin de la campagne normande. Et ensuite, il y aura la campagne de Jeanne d'Arc, donc campagne française. Et puis, je crois qu'il y a une campagne qui nous emmène chez les Chinois et chez les Indiens, il me semble. Au Sultanat de Delhi et en Chine, il me semble. Il faut que vous vérifiez. Parce qu'il n'y a que 4 campagnes pour le moment. Dans Jeanne d'Arc 2, quand il est sorti à l'époque, il y avait William Wallace, Jeanne d'Arc, Barberousse, Gengis Khan et Salada. Ça, il y avait 5 campagnes, je crois. Les troupes du roi occupaient le château de Lincoln, alors que les rebelles contrôlaient la ville extérieure. Les défenseurs devaient tenir le château, en attendant l'arrivée des renforts menés par le chevalier du roi, Guillaume le maréchal. Défendez le château de Lincoln, qu'est-ce que Guillaume Machal arrive. Ah, c'est une mission de défense, je ne m'y attendais pas. Après, c'est une mission d'attaque, j'imagine. Il faut défendre. Bon, défendons. On n'a pas de forum. On a un peu de sous. On va faire ça. Hein. Réseau de citadelle, c'est pas mal. Ça augmente le bonus de vitesse d'attaque autour du château. Et comme c'est un truc de défense, on est... Ah ouais, limite, on est limite, mais on est... On... Vous voyez le cercle ici. Les archers sont quand même dedans. Enfin, pas ceux-là. Allez, là, les gars. Ok. Ça me paraît pas mal à faire. Ensuite, on va refaire des archers, vu qu'on a un truc de défense. Donc, on va faire des archers et des arbalétriers. Et voilà. On a une petite troupe pour aller éventuellement des béliers ou quoi qui arriverait. On a 5 minutes pour défendre. Enfin, plutôt, on doit tenir pendant 5 minutes. Je crois qu'on va supprimer un peu ici et faire un peu là. Ça ira plus vite. Et les villageois ici, bah, ils servent à rien à part. On a un peu de bois là. Ah, un bélier. On va essayer d'aller le péter rapido. Et les archers sur les murs, bien sûr. Hein. Les archers sur les murs. Le fait qu'on puisse grimper sur les murs, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment cool. Allez, sur le bélier avant qu'il pète la tour. Voilà, super. Le tout, c'est d'aller péter les béliers avant qu'ils fassent du dommage et ça va aller. Voilà, un villageois ici. Un villageois pour réparer la tour là, s'il vous plaît. Tour dans laquelle on pourrait mettre une espringale, c'est ça ? Espringale ? Mais ça coûterait 300 de pierres, donc on a déjà plus 300 de pierres. On n'a pas de marché. On n'a pas de marché, on est dans un mouchoir de poche. Ça va bien se passer. Oh ! Merde, il n'y a pas de porte ! Il n'y a pas de porte ! On se dépêche. Ah, on a la technologie Mashikuli. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ce qui permet de balancer de l'huile bouillante.
Bon, dans les faits, je crois qu'ils balançaient des cailloux, de l'eau bouillante et des trucs, de l'huile bouillante. Je pense pas qu'ils en avaient des masses à balancer. C'est une légende urbaine, l'huile bouillante depuis les remparts. Bon, après, je crois que j'avais entendu que ça impressionnait quand même le feu. Que du coup, plus que par nécessité, mais plutôt plus que pour efficacité, mais pour impressionner, ça a pu arriver de balancer de l'huile bouillante. Allez, la petite troupe ici, elle doit juste péter les engins de siège. Hein. Le reste, les archers font très bien le taf. Voilà, super. Allez, rentrez maintenant. Rentrez à l'abri. Ça va bien se passer, encore 2 minutes à tenir. Je crois que même avec la meilleure armée du monde, en 2 minutes, ils pètent pas ça. Allez, on s'occupe encore du bélier. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une espringale dedans? J'ai l'impression que j'ai vu un tir d'espringale depuis la tour. Allez, l'autre bélier. Ça passe bien. Voilà, nickel. Les springales là-bas, c'est pas grave. Plus dangereux, c'est les béliers. Et les trébuchets, bien sûr, mais j'espère que. J'espère qu'ils n'ont pas de trébuchets quand même. J'ai plus de bouffe. On va faire avec ce que j'ai quand même, mais ça va aller. Ça va aller tranquille, 44 secondes. Mais ce n'est que le début de la mission. On veut pour preuve la taille de la carte. Ah, il y a un bélier. Yeah. Ah, mine de rien, rien qu'avec les flèches, il y a quand même déjà beaucoup de dégâts le bélier. Ouais, le temps que mes hommes arrivent, le bélier est plus là. Ah voilà. Ah, un autre bélier là. 4 secondes. C'est bon, c'est réussi. Hein. Guillaume le maréchal est arrivé. Chaque fois, je me fais penser à Wallace est venu. Mais les forces du jeune roi reprirent espoir. Pour libérer la ville entourant le château, le maréchal ordonna à ses hommes de détruire les infrastructures militaires appartenant aux rebelles. Détruisez le bâtiment militaire rebelle. Ok, bon, on va aller faire ça. Avec les chevaliers, ça va être vite fait. Les forces de Guillaume le maréchal furent accueillies à Stow, une ville voisine fidèle au roi. En même temps, quand t'as 30 chevaliers en armure, t'as intérêt à dire que t'es fidèle au roi. Bon, on va pouvoir faire une petite économie ici. C'est pas mal. Allez. On doit aller détruire 6 bâtiments militaires. Je crois que ça va aller assez vite. Ok, allez, c'est parti. Ouf. Allez les gars, sur les archers maintenant.
Bon, toi, oh, me prendre l'or là. Ah, c'est du bois et de la bouffe. Super, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que j'en avais plus. Ok, vous, vous restez là. Bon, vous pouvez détruire ça si vous voulez. Bâtiment militaire. On a une caserne ici, on a une espringale là. Oh, ça sert à rien en fait de prendre des dégâts pour ça. Donc on s'en fout. Allez hop. Nos villageois. Ouais, ils foutent rien évidemment. Au champ. On a 5 à la bouffe, 4 au bois, 2 à l'or. Il nous faut plus de bois et plus de bouffe. Donc, alors les 5 là, on va faire 3 champs. 1, 2, 3. L'armée du roi anéantit les fortifications rebelles, réduisant ainsi leur capacité militaire. Allez, ici la valeur, les gars. J'avais dit qu'il fallait plus de bois, on va faire du bois ici. Le château devait maintenant essuyer une nouvelle attaque des alliés français, des rebelles. Et qui c'est quoi ça? Ah, les français sont mauves du coup. Et on va mettre des archers sur les murs ici du coup. Ça va bien se passer. On doit péter ça j'imagine. Ah non, on doit pas péter ça, on doit péter ça. Enfin, les Français ont les flèches. Voilà, tranquille. Alors, on a 5 au bois, 10 à la bouffe. Donc toi, au bois. Et alors, que trop que 2, mais ils sont où les 2 alors? Si je clique là, ça me fait rien. Ah, ils sont là. Là, il y a de l'or, ok. Alors, les villageois qui ne foutent rien. Ah, ils sont dans le château là. Enfin, c'est pas grave, allez jusque là-bas. Allez prendre de l'or. Ok. Ok, ok, ok. Et quelques-uns alors là-bas. Détruisez la forteresse du sud, détruisez la forteresse est. Ah bah ok. Bon mais tu les archers d'abord, vous prenez hyper cher là. Allez hop. Il est où Guillaume? Chargé, rassemble les chevaliers alliés à proximité pour augmenter les dégâts de leur attaque et leur vitesse de déplacement pendant 15 secondes. L'armée du roi avait presque repris le contrôle de la ville. Allez, on pète les deux béliers là. Allez. On pète ce truc là et on aura un event sympatoche. Et lui, il va pas arriver au mur avant d'être brûlé. Allez les gars. On se dépêche. Bon, 10 à la bouffe, 6 au bois, 9 à l'or. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'était ce truc là. Bon, j'avais un petit espoir l'armée que les bâtiments défensifs prennent, prennent mes couleurs. Mais le siège français se poursuit. Toi tu sers à rien, tu vas faire une ferme là. Toi tu sers à rien, tu vas faire une ferme là. Ils étaient considérés comme fermiers parce qu'ils étaient dans les champs, mais ils servent à rien parce qu'il n'y a que 8 fermiers qui peuvent travailler là. Ça, il faudra faire attention. On a 200 de pop, ça c'est bien. Enfin, 200 de max de pop, après il suffit de les faire. Et donc, tac, 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 tac. Et homme d'armes, lancer vétéran. On a déjà fait blindé, non, on va faire blindé. Blindé, c'est quand même pas mal. 450 d'or, ça coûte cher, mais c'est quand même pas mal.
On va faire blindé et ensuite on va faire des hommes d'armes. Blindé bien sûr. Ok, il faut qu'on détruise la forteresse du sud et la forteresse est. Pour ça, il nous faut une petite armée. Bon, les archers là, ils ne servent plus à rien. À mon avis, ceux-là peut-être. Enfin, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. À mon avis, ils vont plus arriver par là. Quoique, je ne sais pas. C'est pas mal d'avoir un prêtre quand même. Soigner un peu tout ce petit monde. Donc on va faire un monastère ici. En plus, peut-être qu'en se baladant sur la map, on aura des événements sympas. Et notre héros a un pouvoir spécifique aux chevaliers, donc ce serait bien d'avoir des chevaliers quand même. Donc, ouf! Chevalier, il s'est pris un parpaing dans la tronche. Il débarque, il n'y a personne pour les accueillir au-dessus, bien. Bon, on va faire deux moines. Trois, non, les deux c'est suffisant, ça coûte cher. Et de l'or, il nous faut de l'or absolument et on n'a pas de marché, hein. On n'a pas de marché, on n'a pas de site sacré. Il faut qu'on se batte sur la map pour voir si on n'a pas des bonus sur la map pour pouvoir faire des chevaliers et profiter du bonus de notre héros qui n'a plus qu'un chevalier pour l'accompagner. On a combien d'or là? On a 8000 d'or, on a plus que 5000 à exploiter. Donc ouais, il faut vraiment qu'on se balade et qu'on regarde s'il n'y a pas des sites sacrés ou des trucs comme ça. Event. Après la forteresse du sud, c'est quoi? C'est faut voir, c'est peut-être pas un truc super super défendu hein. Bon là ici on a surtout des arbalétriers et des archers, parce que ce que j'avais fait pour défendre le truc évidemment. Alors, F2, tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Homme d'armes. Quelques chevaliers, mais ça coûte cher. Ah, bien, 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 8000 d'or, non, 4000, bon, c'est pas grave, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est très, très bien. Un villageois qui fait rien. Hop là. Camp de mineur, ici. Ça, c'est bien. Et toi, tu vas faire d'autres villageois qui vont aller là. Ça, c'est bien. En fait, c'est encore mieux qu'un site sacré, hein. Directement une mine d'or. C'est quand même pas. J'oublie qu'on peut traverser les bois. J'oublie qu'on peut traverser les bois. J'espère que je ne vais pas me heurter à une muraille. Je ne suis pas du tout prêt. Pas assez d'hommes. On arrive, on approche vraiment de. Oh, c'est une palissade, ça va. Oh, ça va. Bah allez, franchement. Les hommes du roi découvrirent l'un des campements français près de Concorde. Franchement, ça va. Ouf. Non, ça va pas du tout. Hein. Il faut s'occuper de cette de Mangono. Hein. Très ténus que je suis. Je vais laisser tirer deux fois au moins, je crois. Ça va aller, mais bon. Ouais,
Bon. Ouais, si les deux forteresses ça va, c'est comme ça, ça va aller vite. Ouf. Pourquoi il n'avait pas amené ses hommes? Bon, tac, tac, non, tac, tac, voilà. C'est quand même bizarre que l'IA recule. Enfin, l'IA a un comportement bizarre. Ah chouette, un prêtre. Viens ici toi, soigne ce mec là. Qu'on pète vite, qui a pété et qu'on se barre parce qu'on perd des hommes bêtement. Quatre sur 8, tiens, il faut péter quand même ces machins là. Ok, le moine il est où? Ok, faut encore péter ces trois bâtiments là. Ah, le moine il a plus beaucoup de vie. Voilà, on termine avec ça. Espérons qu'après ça on aura un événement positif, genre plus d'hommes ou quoi. C'est F2, non c'est F1, ok. Donc on va faire tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Voilà. On a un peu de ressources, hein, ça va. Le fort français à feu et à sang, affaiblissant ainsi les assiégeants. Ok. Ah, c'était pas celle-là, la forteresse du sud, c'était celle là-bas. Ok. J'aurais dit que c'était celle-ci. Donc, pour moi, le sud, c'est en bas. Mais. De toute façon, le sud, le nord, tu vois comment on est tourné, ça change tout. Il me dirait l'autre. Il faudrait un autre moine pour soigner le premier moine, en fait. Voyons voir. F1, non, F2. Bon, F1, j'avais raison. On va faire un autre moine. Il pourra soigner le premier moine. Je crois qu'on n'est pas assez nombreux pour la deuxième forteresse. On va attendre encore un peu. On peut remonter au moins jusqu'à 150. Pour ça, il faut que nos villageois... On n'en a pas qui foutent rien, mais il y en a trois qui vont arriver ici. Si ceux-là, ils ne servent pas à grand-chose. On va faire des trucs pour créer des hommes, hein. Donc une caserne, un camp de tir à l'arc et une écurie. Ouais, c'est parti. Et toi tu vas aller là directement. Voilà. Quand on sera à 150 sur 200, on va pouvoir lancer l'assaut. Je crois que ça devra aller. C'était pas des châteaux à prendre, c'est des petites forteresses, des petits fortins. Il n'y a pas de mur, c'est des palissades. En tout cas, celui-là, c'était le cas. Ici, je pense que ça devrait être pareil. Voilà. C'est pas le cas, bon, on fera des béliers. Bon, où ça en est? Ah, ça bâtit, ça bâtit. Allez, des... On a de l'or quand même, on a pas mal d'or, donc on fait des chevaliers. D'autant plus que, je rappelle, notre héros a un bonus sur les chevaliers. Rassemble les chevaliers alliés à proximité pour augmenter les dégâts de leur attaque et leur vitesse de déplacement pendant 15 secondes. C'est quand même pas mal. Même si on sait pas jusque à quelle proportion ils améliorent leurs dégâts. Notre petit moine, il est où? Continue à prendre du bois.
Et du coup, tac. Ok. Chevalier. On a plus assez de bouffe. Okay. Alors, vous qui foutez rien, vous allez faire de la bouffe. Ici et là. Voilà. Toi qui fous rien. Pareil. Ah, tac. Bouffe ici. Alors, ah, le moine est là, il va pouvoir soigner son pote. Voilà, on arrive à 140, bientôt, on va pouvoir attaquer. Parce que, comme je mets toutes mes forces dans la bataille, je me méfie de pas arriver à agacer d'hommes et de me prendre une contre-attaque, quoi. C'est toujours la même chose. Est-ce que j'ai seulement tous mes hommes dans la bataille? On va essayer. Contrôle, point virgule, c'est ça? Ouais. 2 moines sont... full vie, nickel. Le chevalier commence à arriver. 142. Est-ce qu'on fait encore des chevaliers? On fait des chevaliers là. On fait plus de chevaliers là, on va en faire. Là on fait plus rien, on peut faire tac tac. Là on fait plus rien, on peut faire tac tac. Ça arrive doucement, ça arrive doucement. Je vais attendre que ce petit groupe là arrive, on va y aller, hein, les gars. Déjà 23h47, j'aimerais bien attendre à dormir quand même, demain j'ai du boulot. Voilà, le petit groupe est là, on y va les gars. On y va, en route vers la forteresse est. Ah, j'ai vu du monde là, j'ai vu du monde. On va faire le pouvoir. Hein. Non! Allez, allez, pas deux fois. Ah, ce petit groupe là a pris cher, faut faire super gaffe au Mangono. Hein. Ok. Faut peut-être traverser le pont pour aller à la forteresse est. Pire endroit pour rencontrer un Mangono. Ça va, pas de Mangono. Par contre, je suis content d'avoir rencontré son armée alors qu'elle était en route vers ma base. Le 3 malheureux chevalier. Chevalier, chevalier, chevalier. Ah, encore un petit groupe ici. Il y a encore de l'or là si au besoin, ça va. Allez, les fausses avancées quand même, rien qu'avec des flèches, ils se descendent assez vite. Hein. Fausse avancée qui est le premier bâtiment qu'on détruit dans le tuto de Jaune PR2. Où on apprend à traverser la zone noire. Allez. On va y aller, tranquille. Il vient vite ce pouvoir. Allez, on a 3 chevaliers qui attendent là-bas. Ça va, c'est pas des Mangono. Ah, il y a 2 Mangono dans le front, faut pas leur faire gaffe. Allez, hop, on y va. Le chevalier sur les Mangono. Allez, sur les Mangono, les gars. Et vous sur le Mangono, sur le Mangono. Bon, restez en arrière surtout vous. Allez, détruisez ce Mangono. Enfin, j'aurais dû demander aux archers de... Je crois que j'ai perdu énormément d'hommes. Bon. F1, tac.
Ok, on fait des trucs qui coûtent pas cher. Et quand même des chevaliers, non, on va faire des cavaliers. Ok. Bon bah, un bâtiment après l'autre, ça va aller. Allez, on va tuer ceux-là quand même. Allez, tuez-le. Mais tuez-le, allez, sur le bélier. Enfin, le bélier, il peut rien nous faire en fait, donc on s'en fout. Pire idée du monde, viser les béliers, alors que le bélier... contre le bâtiment qui fait des dégâts, pas contre les hommes. Allez, on va en finir avec la tour, elle est déjà en train de brûler. Allez, un après l'autre. On va buter les bâtiments. Faut les gars, ça on s'en fout. Hein. Bon, à la limite, occupez-vous-en si vous voulez, mais. Allez, le temps qu'il brûle, occupez-vous du reste. Alors ça c'est un travail pour les chevaux. Bon bah, terminez-le. J'espère qu'il n'allait pas nous péter les noix. Par contre, je vois que la map, il y a encore beaucoup de trucs, donc à mon avis, il faut pas que je crie victoire trop vite. Voilà. Guillaume le maréchal et Nicole de la Haye du Puy avaient sauvé la ville. Et avec elle, le royaume entier. Ah, peut-être la fin. C'est la fin. C'est la fin. Mais historiquement, ça arrive après, du coup, mais j'ai trouvé ce truc-là moins difficile, j'ai l'impression, que celle d'avant. Continuer ? Il y aurait encore un truc ? La reprise de Lincoln par Guillaume le Maréchal marqua une victoire éclatante pour les royalistes. Les barons rebelles avaient été vaincus, et leurs alliés français boutés hors d'Angleterre. L'objectif de Guillaume le Maréchal consistait désormais à stabiliser le royaume pour le jeune roi Henri III. Pour assurer le soutien des rebelles, un sceau royal approuva une nouvelle version de la Magna Carta en 1217 qui limitait le pouvoir de la monarchie. De nombreux barons possédaient des terres à la fois en Angleterre et en Normandie,
mais ils étaient désormais confrontés à un choix. De quel côté de la Manche allaient-ils élire domicile ? Beaucoup choisirent l'Angleterre. Le royaume transmanche n'était plus, ce qui établissait clairement l'identité anglaise. Mais l'impact des Normands sur l'évolution de l'Angleterre est encore visible aujourd'hui. Près d'un millénaire plus tard, les châteaux et cathédrales normands encore debout dominent toujours le paysage. La Tour de Londres était à visiter, mais en janvier, il pleut. Au cœur de la ville moderne, c'est super chouette. De Guillaume le cher, par contre. La Tour de Londres, bien 15 livres pour faire la visite. Sans souvenir de leur héritage. C'est chouette. Il y a un audio guide et tout. Mais l'influence normande qui perdure le plus n'est pas visible. Ah, il y a le thème d'Ajon Payeur en fond. La version normande transforma la langue anglaise et établit les fondations du Parlement et du gouvernement moderne. Tout cela parce qu'un homme, Guillaume le Conquérant, revendiqua la couronne d'Angleterre qui, selon lui, lui appartenait de droit. Les Normands conquirent un pays et changèrent à jamais le destin de l'Angleterre. Ah ben j'ai fini, je pense, la campagne normande. On va vite jeter un œil aux autres campagnes, voir ce que c'est. Ah ben voilà, il y a la guerre de 100 ans, donc français, l'Empire mongol, donc les Mongols, et l'ascension de Moscou, donc les Russes. Pas du tout, je m'étais trompé, il n'y a pas du tout de campagne chinoise, ni même indienne. Voilà, donc il y a la guerre de 100 ans, l'Empire mongol et l'ascension de Moscou. On fera ça lors d'autres streams, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte moi, de découvrir d'autres civilisations, j'ai même envie à la limite, mais on va les faire je pense dans l'ordre. On va pas faire continuer la campagne, je vais faire solo, voilà. J'ai envie de les faire dans l'ordre, mais dans l'ordre ça veut dire que maintenant je joue les français, et maintenant que je joue les anglais, j'ai envie de jouer un autre truc complètement autre chose, quoi. Donc, plutôt mongol, ou après on s'en fout, je pourrais commencer par... Ils sont pas par ordre de difficulté, je pense. Je crois que je vais pas faire la guerre de 100 ans, je vais faire l'Empire mongol. Et après, je verrai si j'ai envie de faire la guerre de 100 ans ou l'Association de Moscou. Mais la prochaine campagne que je fais, c'est l'Empire mongol. Voilà, voilà. Et puis, une fois que j'aurai fait les campagnes et que je me serai un peu plus familiarisé avec le jeu, on va commencer à faire un peu de multi. Mais chaque chose en son temps. Donc, j'avais beaucoup aimé la petite escarmouche que j'avais fait contre l'IA. L'IA en mode intermédiaire qui n'était pas très très balèze, tandis que je découvrais le jeu et que bon, je l'ai eu assez facilement. Après c'est cool, ça veut dire qu'avec un IA intermédiaire je pourrais découvrir les autres civilisations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream tardif et je veux dire sauvage parce que c'était pas du tout prévu, j'avais très envie de jouer. Oupla, on va revenir comme ceci. Je vous souhaite une excellente nuit, bonne nuit Jidan, à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, tchuts.